Cet insecte est un triatome, un timbuktu. Elle aime vivre dans les maisons des gens, elle pique les humains durant la nuit pour se nourrir, et sa piqûre transmet la maladie de Chagas, une maladie qui peut être mortelle. Papa, maman, Timbuktu m'a piqué. C'est grave. À l'école, on a vu que Timbuktu transmet une maladie mortelle, la maladie de Chagas. Et il y en a beaucoup dans la maison. Il faut attendre les techniciens qui viendront mettre des insecticides. Et quand est-ce qu'ils vont venir ? Oh, voilà justement le capitaine. Malheureusement, ils ne viendront pas cette année. Nous ne sommes pas obligés d'attendre sans rien faire. Il y a des solutions simples pour faire partir les Timbuktu. C'est facile. Il faut boucher les trous dans les murs et les lisser car les Timbuktu se mettent dans les fissures. Il faut aussi bien nettoyer la maison, ranger les affaires et les vêtements qui sont au sol, secouer les matelas et enlever les poules qui couvent sous les lits où se cachent les punaises. Il faut aussi sortir les animaux de la maison, les poules et les chiens, et les mettre dans des parcs dehors car les animaux portent beaucoup de Timbuktu sur eux. D'accord, nous allons le faire. Oh, que ta maison est propre! C'est beau et bien rangé, c'est très agréable. En plus, il n'y a plus de trous dans les murs et il n'y a plus d'insectes à l'intérieur. Comment as-tu réussi à faire ça? C'est le capitaine qui nous a expliqué comment faire. C'est très simple, rapide et gratuit. Je suis contente du résultat. En effet, cela est très simple à faire, pour un résultat rapide. Pour une maison propre, c'est très simple. Il suffit de boucher les trous dans la maison, ranger les vêtements et les choses qui traînent au sol, nettoyer le lit, le sommier et secouer les matelas dehors, et ne pas laisser entrer les animaux à l'intérieur. C'est super! Et ça a l'air simple. Je vais faire la même chose de chez moi. Il faut que nous soyons débarrassés des Timbuktu et de la maladie de Chagas dans le village. Au prochain conseil, j'expliquerai à tout le monde comment faire pour nettoyer leur maison. Ces gestes sont à effectuer en plus des insecticides.